Voilà, bonjour et bienvenue dans l'émission Kindoki Politique. Il y a mon connu, il y a toujours un souci. Il y a quoi informer, il y a quoi expliquer, il y a quoi actualité. Il y a quoi saliman en Boka Congo. Il y a quoi en Kati, il y a quoi en Boka. 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 Il y a sans que tu toques, sans que tu aies la permission. En tout cas, merci Mingi na considération. Il y a quoi en Boka. Il y a quoi en Boka. Il y a quoi en Boka. Il y a quoi toujours on a pour nous servir bino. Alors na la kaki bino qui est invité à l'élo, il y a Kindoki Politique à cause à la invité surprise. Alors pour na l'élo to yambeli bino monsieur Enoch Kiyombo azali acteur o ajoua qui na chanson obusoyon soto toyoki obusoyon soto lingi chanson et ça y tour du monde nini to salité na elongo to sola ba contour il y a nzembo wana to bi que cité vraiment polémique de part et d'autre et kaboli opinion tant national, opinion politique, opinion nangambu ya population et salindeti ndeti. Alors nyon sona to kolobelango pe to kopé sa message moko la population mingi mingi na jeunesse oyo zolanda biso na kati pe libanda ya République démocratique du Congo lelo yo na cadre ya ba actualité to ye ba été que chanson on a oti kolobela ninto salité pe lettre ya ya Fati ezali bongo suspendu pour un temps na bande konabisho ya commission des censures obasenga ki bango bake na prévié mon kwaza sur place to retour na emituna par rapport na yango et li susu boye ba ete que ministère économie nationale et la ki pe confirmé que très bientôt avant même que fin de l'année o ekokisama déjà babilo konyo so batinda ki na ngamu ya Namibie e kokoma lobby réunion monene selema qui entre yo basa ya kamusala équipe ezala ki sur place na Namibie pe ministre économie nationale wapi nyonso atlakaki ke nyonso ezala déjà prêt pour que biloko et koma awa na République démocratique du Congo kimia ezongi na Bukavu et depuis que tangu ba atake salemaki ba konti mboka balaki pe batali si ke nyonso ezongi à la normale donc vie ezali normale kuna na est ya République démocratique du Congo. Alors lelo na cadre émission Kindoki Politique na la kisina lobby ango déjà na présenté pas invité na ngande ko Enoch Kiyombo ozali bon acteur principal wa joie qui na nzembo nini to salité mon mboka Enoch Kiyombo mbote na yo mbote madame Naomi. Je sais que c'est pas facile pour vous de parler lingala comme moi, mais nous allons essayer juste un peu même mélanger, c'est pas du tout mal. Vous allez nous dire Kombono nani, ozanani et nani ne koma ki o joué le rôle acteur nanzembo o ni to salité. Voilà, Kombono nga Enoch Kiyombo. Enoch Kiyombo aza acteur, réalisateur, aza coach des techniques de matchs d'improvisation na ba école, aza pe entrepreneur. Bon, comment et comme il a joué na clip ya Mbere, c'est depuis Malembe que j'ai commencé, où j'ai entrepris une relation avec le groupe Mbere et leur manager. Depuis clip à Malembe, on a travaillé, j'ai juste figuré un peu. Et puis par après, tout développa qui moi relation mon robot avec leur manager. Tantôt, on s'est partagé des projets, des conseils et tout ce qui va avec. Et puis, il n'y a pas deux mois, à contacter Kinga pour la coule Yoki Sangan Zembo. C'est-à-dire à Bengisa Kinga na restaurant, Pessinga va écouter na Yoki Zembo. Avant, Yoki Sanga Kinga, il faut jouer na Zembo. Tant on a Yoki. J'ai écouté ça plus de 6 fois. C'est alors que je lui dirais, écoute, te tourner en Watalobi. Parce que c'est une chanson qui m'a vraiment touché et à tout prix, j'ai voulu le jouer. Et c'est comme ça que je apparais dans cette chanson. Certainement, vous avez donné de votre parce que vraiment, vous avez tourné clip pour les opé, sa émotion. Moi, personnellement, quand on a mon yang pour la première fois, ça m'a intéressé directement. Nayoki, plus de 7 fois la même journée. Bon, dit Mélanga que c'est vraiment un très bon clip. Alors, message Yanzem Bouana Pinza. Dengi ozala ki na kati na yango message nini ezala ki pona repesa na population o babanda ikolanda bino. En tout cas, le message est simple. C'est-à-dire que ceux qui ont écouté chanson, c'est-à-dire chanson, on a les autres remettre les en question. C'est-à-dire au bout d'un certain temps, tu se rendre compte que tu salipena makambo ebele. C'est-à-dire quand tu t'es dit nini to salité, ça bouillonne dans ta tête, tu t'es dit que tu crois avoir tout fait. Okay. Mais ça n'a pas marché.
Mais ce n'est pas ça le message, de s'arrêter juste de tout ce qu'on a déjà fait. L'idée est maintenant de ressortir ce qu'on n'a pas encore fait, justement pour remonter la pente. Donc le message est beaucoup plus penché sur l'éveil de la conscience. Nous devons nous éveiller à un certain niveau, parce que 61 ans après, il faut qu'il y ait des changements. Il ne faut pas toujours que nous soyons là en train d'être bourrés par Yamba Parole et à espoir, Timon Colonie. C'est-à-dire qu'il faut te remettre, missionnons surtout se remettre en question. C'est-à-dire cette chanson n'est pas visée, n'a pas visé un camp quelconque, non, non. Et ça flèche au kende, aller-retour. C'est-à-dire, na biso moko, va tout aux ans, la chanson, tout aux c'est poser question. Même si le fait que, voilà, tu commis à niveau à Kobimi, ça va émotion, c'est tout simplement parce que tu as mis poser la question, ni ni autre salité. To salignon so to tangi to keba prière to sambeli ton petit pot comme apparemment sur les choses athées. Oui, parce qu'on nous a dit qu'il faut que les classes pour te réussir. Mais après on se rendra compte que c'est pas ça. Bon, même si il faut te prier ma casse to boukabalien en famille pour te réussir, on se rendra compte que c'est pas ça. Même si biso boye mais c'est pas ça. Maintenant c'est quoi en fait? Est-ce que nous sommes aussi tous salés, tous salés qui ont mabé ou bien tous salés qui ont mal? Qu'on change le régime, paye tous salés, tous qui ont élection, bah les belles, mais ça ne va toujours pas. Justement. Donc voilà un peu le message qui a été véhiculé dans le clip, voilà. Mais est-ce que pour ça qui m'a canis n'a bien plus loin, parce que on s'est dit que nous tous salités, mais après tous salés presque nous sommes, on peut pas s'arrêter, on doit avancer. Mettons pour pousser ma canis n'a bien, qu'est-ce que le peuple congolais doit faire aujourd'hui? Il y a un moment mais ok, il n'a pas question mon sous pour que tout le monde a quand même lumière et espoir, tout le monde a quand même changement mon terme qui est n'engambo ya population congolaise. Voilà, je le disais tantôt, j'ai dit que voilà que les Congolais ne doivent pas s'arrêter sur la question ni de salité. C'est-à-dire quand tu te poses cette question, ça te remet en question. Au fin d'inan, c'est ce qu'on va nous faire l'analyse précise. Il y a ma camionion sur aussi au sali. Est-ce que ça l'a dit? Et puis, qu'on déniche au nan auto salité, au isaïa malam, pour tout ça l'ango, enfin, à quoi remonter par. Parce que autant à bisognon, la plupart. Autant à bisognon, même moi, quand à chaque fois que je me pose cette question, ni auto salité, n'a pas la réponse. Ok. Ouais, puisque dans la réalité, nous sommes dénoncés dans le clip, voilà. Pour prier, j'ai prié. Autant à peine attendre. Mais ça ne va toujours pas. C'est qu'il y a un problème quelque part. Et ces problèmes, je ne les connais pas. On doit les trouver tous ensemble en se posant cette question. Que pensez-vous de gens qui disent que Nzembo Ane est aussi blé pouvoir en place? En tout cas, c'est une chanson. Et un artiste est un interpellateur. L'art est interpellateur. Et un artiste doit interpeller en cas de nécessité. En tout cas, bah, bazo lingaba pervertir chanson pour la polémique na kati libre à eux, mais nous avons parlé d'une vérité que nous avons constatée et nous n'avons visé personne. Nous n'avons visé ni l'État ni qui que ce soit, mais nous avons visé tout le monde. Ok. C'est-à-dire tout individu congolais aujourd'hui est visé. Voilà pourquoi je dis c'est une question aller-retour. C'est-à-dire même moi qui la pose, je me la repose aussi cette question. Qu'est-ce que moi, je n'ai pas fait pour faire aussi avancer les choses? La responsabilité est partagée, donc, parce que la plupart des babes, des élèves en question, peut être dans la classe, mais sont peut être en raté, à une licence, mais à ébita au salé, à malonga, peut-être peut-être pour la bongo. Justement, on y revient. C'est au fait les problèmes de l'éveil de la conscience. Éveil à conscience, jeunesse. Ils en manquent à éveil de la conscience. C'est-à-dire, nous vivons dans une inconscience terrible. Parce qu'il y a d'autres problèmes aussi. Il y a ces enfants-là, au bac dans la classe. Mais il ne prend pas en compte tout ça. Donc il s'en fout. Pour lui, il dit que voilà, nasala en gros, fin de compte, na ko corrompre ou bien fin de compte, na bozolanga. C'est en fait toutes ces contraintes-là qui font en sorte que les choses n'avancent pas. Un diplôme à papier, en fait. Voilà. Sans pouvoir le valoriser. Alors, tout pousse à la moi, mon kie, les lots, nzembo, nini, tout salité, ça s'en serrer, et ça, épaissiment polémique, paix depuis hier, na toi, les a vraiment colobama. Beaucoup plus, pourquoi ils a s'en serrer, bino mon tombo, kaki, sangwana, et ça, bino l'olénini. Bon, et au salabiso, pas cité. Mais c'est juste pitoyable, hein, parce que
pourquoi on doit valoriser, accompagner, acclamer les chansons qui prônent les insanités, mais s'il s'agit de la vérité, on doit contrecarrer ça. Moi, je pense que c'est un travail en vain, puisqu'aujourd'hui, de nos jours, le numérique a tellement évolué. Je ne sais pas si aujourd'hui, toi, tu passes 5 heures ou 6 heures du temps comme l'autre fois devant une télé. Non, non. Je n'ai pas le temps pour ça. Voilà. Donc, ils n'ont rien fait. Mm-hmm. Voilà. La chanson va continuer à faire son chemin sur YouTube, sur les chaînes internationales, même s'il ne va pas jouer ici. En tout cas, ça ne nous a dérangé à aucun moment, moi personnellement, mm-hmm. puisque depuis le jour de la sortie de la chanson, je ne l'ai pas vue à la télé. Je l'ai écoutée sur mon téléphone, sur YouTube et donc... Sur Facebook, mieux. D'ailleurs, moi, je l'ai partagé sur mon statut plusieurs fois. Aujourd'hui, on peut dire que sur YouTube, déjà, en totalité, ça fait 9014 vies déjà. Donc, il y a un million bientôt là. Dans 4 jours, c'est quand même beaucoup. Bon, donc, ça vous fait comment? En tout cas, pendant que vous sortez, Naomi, succès aux équipes préparées. Ok. On savait que cette chanson allait parler d'elle. Mm-hmm. Et on n'a pas été pressé en quoi que ce soit. Tout ça qui t'en a besoin. Tout ça, il y a un mois depuis juin ou juillet, quelque chose comme ça. Et au Bimana, novembre. Mm-hmm. C'est-à-dire, chaque jour, on travaillait sur chaque détail et tout ça, le scénario. Et puis, on ne tournait pas chaque jour. Tout le monde a tourné, les lopes, ils ont focalisé pour la scène telle. Mm-hmm. L'obikou, ils ont focalisé pour la scène telle. Et quand on écoutait cette chanson et qu'on mettait bah, émotion dans la bison, on s'attendait. En fait, nous, on s'est dit que voilà, c'est ce clip qui fera découvrir le vrai public de ces groupes-là d'un père. Et ce vrai public, voilà, il a répondu au rendez-vous. Aujourd'hui, les clips ont pris en otage les téléphones, les réseaux sociaux. Et les pasteurs juste... en parlent, le politique en parle. C'est presque tout le monde qui est emballé pour Kanzembo. Ils ont vraiment moqué à Kanzembo. Ils ont interpellé surtout population, puis bah dirigeants, bah gouvernants, comme bah gouverner. Tous nous sommes vraiment impliqués. Pour toi et bah Congo, Nindo, ça a été finalement bah l'objet qui est apparemment beau quand même. Ils ont maudit. Il y a solo. Ils ont maudit. C'est-à-dire que Bissonnetto... Tout en la chanceté, comme on dit que le Congo n'a pas de chance. Mmh. Bon, même dans la chanson, on l'a dit. Mmh. Bon, 61 ans après, mais Makamozo, ça... Et richesse, ils ont l'étiquette, l'étiquette va coller à Bisson. Mmh. Quelque part, il y a un problème. Potentiellement riche. Justement. Le problème, c'est le Congolais lui-même. Si vous vous rendez compte, c'est le Congolais lui-même qui fait en sorte que les choses n'avancent pas. Et depuis... Je loue et je félicite un fait président ou dirigeant Mobutu qui disait que nous devrions nous prendre en charge. C'est-à-dire nous-mêmes, à notre niveau, nous devrions nous prendre en charge. Si peut-être aujourd'hui l'État n'arrive pas à répondre à certains besoins ou certaines occupations que nous, populations, avons, mm-hmm. c'est-à-dire nous, populations, nous pouvons entreprendre et nous prendre en charge et provoquer ces soutiens-là du gouvernement. C'est-à-dire moi, je suis peut-être dans le cinéma. Je peux partager une petite expérience disant que pour que le cinéma nigérien puisse avoir un tel succès, ce sont des individus, au Basangana qui bâtiment mon labango et puis Basali industrie. Tant que Bandiko produit, le gouvernement est mon monagi que non, il faut vraiment les soutenir. Okay. Donc il faut qu'aujourd'hui, Nabiso population, Naba dirigeant, tout Sangana, tout Pisanamayele, Potoyeba, Nini, tout Salité, Poto Sala. Ok. Tant on réfléchit, on a une totalité comme la souka, mais il faut que je me dise que la souka, pour qu'on me dise, peut-être que la souka, et qu'on me dise, et non, qui ont beau tout ça, on a plateau, on a mis avec une doc politique, à mon con, à l'élo. J'ai oublié les avenues, mais de tourner en matété. Et ça nous a pris quasi 3 semaines. Ce qui tourne, c'est pas jour, pour tout le monde, peut-être semaine, on tourne jour, semaine, voilà, ainsi de suite. 2 à 3 semaines. En tout cas, ça nous a pris du temps. Et de tourner en matété, tu as un peu de nager dans la cité, dans la banlieue, voilà. Alors, tournage, Nabino, et les cas, il y a des difficultés, il y a beaucoup de talent qui n'ont pas. Tournage, les cas qui sont bien. Mais ils ont eu la difficulté au par après et au comme à merveille et ça donnait un tonus au clip. Ok. C'est-à-dire jour et à souka. Nous étions plus de 70 personnes. C'était vers la soirée qu'on était en train de tourner
c'est nous. Ce qu'on a maté, vous avez un groupe de courant et qui. Ok. Soit il fallait qu'on ait un tournage pour reprogrammer, et c'est du dépense de plus. Mm-hmm. Parce que pour reporter un tournage, il faut encore payer ces gens pour l'autre jour. Des idées, il y a, na moninga na biso réalisateur Junior Nzolo qui na na pesi mbote aye ko bimisa idée ko somba ba bougie to pelisango siko maminda wana epesa ngo moko mutala ki clip donc epesa ki susu elengi moko na clip donc c'était pas préparé, c'était brusque et c'est venu en bon et puis c'est moins d'être désolation beaucoup avec les qui n'ont pas préparé. Voilà, donc c'était ça la seule difficulté, mais sinon voilà, dans tout ça va. Dans tout ce que nous disons ici, s'il faut partager responsabilité à mon con, vous pensez que l'État, il faut ça la nini pour la jeunesse, et puis jeunesse fait ça la nini pour se rénover. En tout cas, de tous les deux côtés, il faut qu'il y ait restructuration, na réinitialisation, pour qu'on parle du changement. Mm-hmm. Côté à jeunesse, ming éveille de la conscience. Côté qu'on a plus voilà, conscience peut avoir mon con. Puisque. Nous qui sommes au pouvoir, nous avantageons beaucoup nos intérêts communs. Okay. Alors que nous sommes au service d'un peuple. Ce peuple doit bénéficier de ce qui lui revient de droit. Des droits, c'est voilà, la bonne vie, le social, tout ça, les infrastructures et tout ce qui va avec. Mais nous sommes beaucoup trop au revers. C'est-à-dire, maman Naomi, pendant que Naza Nanzala, Nazole Lana Nanzala, Yozoke Kotongilanga, saut des moutons, on a commenté 2 minutes. Okay. Et puis, na kuti embouteillage, je suis là. C'est pas normal. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, pendant que je suis là. Ça ne me concerne pas. Je suis là, je suis là. Et puis, je suis là, je suis là après. Tu vois, donc il faut commencer petit à petit. Arranger social, arranger boy, arranger emploi, arranger boy. Et puis, par après. Donc, c'est-à-dire que nous devons tous, de deux côtés, nous prendre en charge. Mais moi, quand je suivis la chanson Ninto Salité, na tournage et à clip, on a, parce que ça m'a vraiment concerné. Mais sous mon temps, là, bon, on ne veut pas tout dire. Bon, ouais, Mickey, bon, Kangisa, Moutazo, Teka et tout. Ça m'a concerné personnellement. Mais quand je suivis vraiment les clips, je me suis dit, bon, Ninto Salité, tu vas au Sluki, boulot, petit boulot, peu mon anité. Mais pourquoi pas créer? C'est ça, entreprendre. Je venais de le dire tantôt. C'est-à-dire, même nos systèmes scolaires, nous ont tant appris il y a qu'aucune luka au lieu qu'au créer. C'est-à-dire nous ne formons pas des entrepreneurs, mais nous formons des éternels chers, donc coureurs d'emploi. C'est-à-dire bisous bah tangi ça bisous là qui a sauté aussi les choses maintenant qui vont déposer. J'ai l'honneur. Donc il y a un problème même côté enseignement. Donc il faut y remédier. Mais la jeunesse peut réfléchir quand même. Voilà, parce que moi je me dis, ils étaient l'espoir de ces pays. Mm-hmm. Et c'est la jeunesse qui est l'avenir de ces pays. L'avenir, c'est maintenant. Et pour y arriver, il faut de la conscience et l'union. Et cette jeune-là, pour qu'on parle de la force. Puisque nous, jeunesse, on peut constituer une force, une meute, mm-hmm. et qui peut avancer les choses. Si seulement on n'est pas facilement influençable, parce que je vois nos jeunes aujourd'hui qui dégagent des énergies derrière des grands hommes, parents et tout ça, dirigeants de ces pays, mais qui ne bénéficient de rien. Qu'on est en train juste de soutirer leur énergie, leur intelligence, et par après, voilà. Alors, continuons la émission Kindoki Politique à Mokonalelo. Ça, c'est vrai. Tout le monde a un jeune, ming, soba bengi si marche, c'est beaucoup plus de jeunes. Soba bengi si boy, c'est beaucoup plus de jeunes. Quelque part, na chanson ni tosalite ozoloba que biso to te kaka, tozo te kaba shimbok, babiloko, mais barobenga biso toza ba fainéant. Pensez-vous pas que batou baloba que jeunesse congolaise est fainéant? Bah, on a raison. César, le rôle à ta histoire est à Bombay. C'est-à-dire, Bolobi, que jeunesse congolaise, nous, ça donne à la drogue Bombay. Non, non. Mm-hmm. C'est une partie qui n'arrive même pas à 10% à la jeunesse. Voilà. Tu viens de le dire. Biswa Toteka, Soki Shimbo, Kinanimi. Tobi Mara Tongo, bah, jeune, on a Bimara Tongo, Tiba Soir, Taba, 23h, on est Baozo. Mais Bolobi, on va finir. Ah bon? Pendant que d'autres. Qui roule voiture et tout ça, qui ne travaille pas assez. Mais ils ont commencé quelque part, monsieur Patrick Mouya, l'excellence, le ministre de la communication et média l'a dit qu'il a commencé quelque part quand même. Il fallait commencer et puis avancer, qu'il n'y a qu'à ma place à Comilelo. Mais justement, puisque je me dis, chaque année, on a plusieurs diplômés, tels que cette année, on en a eu combien? Et il y a combien d'emplois qui sont créés? Il y a quelque chose qui ne va pas.
ces jeunes sont en train d'entreprendre. Laissez-les en train de se chercher dans les makassou, je sais pas, les chimboki et tout ça. Un jour, ça payera. Ça veut dire aussi qu'ils commencent quelque part. Et c'est là quelque part. Et les quelque part de tout un chacun est toujours différent. Mm-hmm. Moi, j'ai vendu du jus, maïs, nateka, vanille, tout ça. Peut-être yu ezalaka bapagne, je sais pas quoi. Peut-être l'autre là, ma voiture. Peut-être, mm-hmm. Ouais. Donc chacun a son début. Donc voilà. En tout cas, tout ça, qu'on continue mission à l'élo, toi, on a pas sorti qui était naïve, qui est bande de Konanda, qui va se faire une mine aux unes des Enoch, ou à côté qui vraiment n'a qu'à t'y clipper, à pessibiso, émotion, non, sur tous les qui n'ont n'a pas ça, bah, j'ai nous, tous les bébés, bah, on peut qu'on a besoin de Banganda, bah, on peut qu'on a besoin de Bombé, n'est-ce pas, tu crois, une partie, il y a jeunesse, bah, on a besoin de Bakouzou, et bah, on a besoin de Bakouluna. Pensez-vous que l'État congolais doit faire quoi pour essayer de relever la jeunesse, d'un côté même entrepreneuriat, d'un côté même prise de conscience. Voilà, vous avez évoqué quelque chose qui soit les Kuluna. Mm. Ce qui ont remarqué à l'Académie, voilà. Kuluna, beaucoup plus de Kuluna tournent autour du camp militaire. Mm-hmm. Mm-hmm. Beaucoup plus dans l'environnement. Voilà. Tout simplement pourquoi? Ba militaire. Moi, je suis un enfant de militaire. Mm. Je connais la vie d'un enfant de militaire. Ba papa wana ba kenda ba guerre. Ba mususu ba zonga raté. Ba tika ba bana. Et puis après, ok, bon, on coupe la guerre, tika likuna. Ba no wana oliba bénéficier d'un salaire à papa wana. Mais copé ça me la bangote. Ba mususu ba benga na bango kutu na bandako. Ce qui revient à dire que ba no wana ba kenda ba. Ba bimaka na ba na banzela. Rage wana. Akuli nango. Amati nango. Ils sont combien? Na beta tour mokona jour mokona kan na kenda ko mona ba blessé de guerre. Okay. Bana, non, tu peux pas regarder deux fois. Sko, moi na zokola na rage wana kalamuka na tongo moni papa na peut-être ba kata et lito ba kata et tout ça. Atanga kata ya kolia ezate. Tu penses que cet enfant là ne peut pas faire la rébellion abimali banda sa yekulu na bana? Non. C'est-à-dire nous devons recadrer des choses sur certains points. Les soldats qui sacrifient leur vie pour protéger ce pays, il faut prendre soin de leur famille. Il faut qu'il y ait des initiatives, des fonds qui doivent accompagner ces enfants, les faire étudier, leur donner une bonne vie, créer des emplois pour ces enfants, les envoyer où? Puisque moi, je suis à Tanguité, à Kolinanzela. Avenir, vision des années. Alors, je suis là, bah on y est pas vu à bien donc bah on a des balayages comme bon on a vu ça papa on a vu ça parce qu'on a ressouffri bilan des balayages comme bon on a vu ça ça révolte tout ça donc il y a beaucoup de problèmes dans certains points d'encadrement aussi. Nous nous sommes ceux peut-être qui ont survécu. Moi j'ai mes parents voilà ils furent militaires et tout ça et ils ne sont plus. J'allais devenir aussi un enfant dans la rue, un brigand et tout ça. Moi j'ai eu une prise de conscience. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Okay. Mais je partage juste cette petite réalité. Que beaucoup de Kuluna tournent tout autour de ces environnements-là. Qu'est-ce qu'on fait pour contrecarrer cela? C'est un problème. Et ça, un jour, ça peut amener une révolution totale. Ça peut être une force. Et tout ça, il faut prévenir les dangers d'avance. Donc, notre pays a beaucoup de problèmes sur tout le point. Il faut commencer à arranger petit à petit. Donc, il faut arranger ce qui est nécessaire et ce qui suscite particularité. Au lieu d'avantager peut-être Bakar et député, Banini, tout ça. Il y a un problème. Il y a des problèmes qui sont importants à régler à tout moment et à chaque moment qu'il faut. En tout cas, c'est profond. On les a macanisiepé, Samuel Ndeko Enoch, pour naba, bah dirigeant un beau cannabis, quoi, bah nini, quoi ça là pour qu'un beau cannabis soit kinda liboso, surtout que Bozonga qui depuis 1960 qui n'a mon connalelo. En tout cas, bah lui qui est sur mon bout, toi, qui n'y a pas changé, mon bout à qui, mais changement exacté, Kabila qui changement exacté, toujours continuer car compliqué, n'a compliqué. Les lots yo, toi, que le banan y a ça sima, n'a bien notre peine à financer mon salon de Salim. Donc, on est un simple acteur et j'ai marié le projet. Ok. Moutoza, si ma bande qu'on a bu sur un père, c'est un manager en avant, qui est un jeune comme nous autres. Qui n'est pas politicien. Du tout. En tout cas, même moi, je suis apolitique. Mm-hmm. Tout ce qui est politique ne m'intéresse pas. Moi, je mène ma petite vie à côté. Maintenant, tu deviens star, hein? Tu es dans ça déjà.
dans la politique. Devenir star, ce n'est pas devenir politique. Je suis apolitique. Tout ce qui est politique ne me concerne pas. Okay. Je mène ma petite vie, j'ai mes difficultés, je les règle dans mon coin, dans la partie d'ombre, c'est tout. Et on avance comme ça. Donc, loin de moi, toutes ces polémiques et tout ça. Et si quelqu'un te demandait d'adhérer dans un parti ou de faire la politique? En tout cas, moi j'ai des vocations, hein. J'ai des projections à l'avenir. Ok. Si je deviens politicien, c'est vraiment pour être au service de ces peuples-là. Mais ce n'est pas d'abord maintenant. Je peux évoluer en tant qu'individu et aider la population, en tant qu'acteur que je suis. Et donc, voilà, ça viendra peut-être à l'avenir, mais pour le moment, ce ne sont pas mes besoins phares. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission Kindoki Politique de ce jour. Isaac est vraiment spécial. Nous avons des cours. Enoch, Oyazala Kibong, acteur, Oyazali, star du moment. Batignon Sobazou Lingaba Mounae, pour nous avoir bandé, Nini Moussalango et Salemaki pour épaisser et mention Makasi. Votre mot à la population et au gouvernement en même temps. En tout cas, mon mot de la fin est que nous devons tous nous prendre en charge et travailler l'éveil de la conscience. Nous devons nous restructurer, nous réinitialiser afin de pouvoir trouver des bonnes pistes pour remonter la pente. Nous ne sommes pas à notre juste valeur. La valeur que l'on devrait nous reconnaître au travers le monde aujourd'hui n'est pas celle que nous dégageons aujourd'hui. Déjà, nous sommes une jeunesse ou une population sans culture. Nous n'avons plus de repères dans notre culture, alors que c'est au travers la culture que l'homme s'est reconstruit. Donc, tout réfléchir, tout se poser sous question, tout zongi. J'espère que voilà, Naba TV, chanson et collègues à souhaiter, mais Naba Tchombo la bise, tout tia. Tout yo kango, puis tout me poser question, ni tout salité, pour tout ça là. Voilà, souké, tu as la carte à souka pour que ma moue simba. Bande quoi sensé, bah, pèse à qui communiquer mon collègue, koloba que, et sengeli, bah, ndeko, oh, bah, yembinzembo, imperpe, soussouya fachi, bah, keneko se prononcer, bah, la ki sabango, kope sabango légalement, nzembo pour que bango ba examiné avant que zonga. Donc, eza, suspendu pour toujours te. Selon Bango, ils allaient juste pour un temps pour que bas serait bas à la règle Namibé Kwamboka Ndenge Babiso dont Tozos il a peut-être que la pression, toi et Bipete, mais Tozos il a Biso Toro, yo quand on Tozal Ango, na téléphone l'angéza déjà parce que ils ont éveillé conscience Nabiso. Le lot sauf il faut tout le bac, une mission ici, l'État est en train d'effacer, mais pourquoi bah jeune battait les mille lots, ça va de c'est un courant de jeunes, bah on soit comme révolutionné, qu'est-ce qui se passe? Bon, oui, et là, on a un logo en attendant. En tout cas, je ne sais pas même moi aussi ce qui se passe. C'est plus qu'inattendu ce qui se fait. Voilà. Et surtout, depuis hier, quand on a censuré, il y a eu des postes tellement énormes qui, par après, a donné un coup de pouce extraordinaire à cette chanson. Parce que tout le monde aujourd'hui veut l'entendre, veut l'écouter et tout. Moi, je pense que voilà, on ne peut pas interdire à quelqu'un de dire la vérité. Quand une vérité est dite, il faut l'accepter. Se remettre en question pour chercher qu'est-ce qui ne va pas et avancer. La vérité, c'est que ça ne va pas. Tout le monde doit le dire. Trop bon, bah, péter, ça ne va pas. Ils ont fait faute à moutouté. Ça nous concerne tous. Tous ont la responsabilité. Merci beaucoup, madame. Je sais que ce n'a pas été facile pour vous, mais en tout cas, merci beaucoup. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir, avec un nouveau invité, toujours dans la quatrième émission Kindoki Politique. Tika Tenzambi, Abenissa, Repnou Kratik de Congo, Bukabako Konabiso. Bye.